Moi, c'est MJ, j'ai 18 ans et je suis étudiante en université américaine, donc à Carroll University dans le Wisconsin. J'ai pu réaliser ce rêve grâce à ISPA et donc je voulais vous montrer comme première petite vidéo mon vlog de mon départ. Donc préparation, voyage, arrivée à Carroll, c'est tout dans la vidéo. Salut tout le monde! Ben voilà, il y a plein de bordel devant moi, toutes mes affaires depuis la 6ème. Faut faire un grand tri et après je rangerai toute la chambre, mais c'est parti. On est le lundi 1er août et je commence la première phase de mon rangement avant mon départ aux États-Unis. Là on est le 3 août et je vais commencer la deuxième phase, qui est le tri de toutes mes affaires. Voilà, parce que je dois jeter plein de trucs, donner plein de trucs et je peux partir qu'avec deux valises. Du coup, c'est parti. Là, on est à J-4 du départ. Et j'ai fait plein de shopping, donc on va commencer à faire ma valise parce que j'ai quasi tout ce qui me manquait. Ok, donc du coup je vais commencer à faire ma valise. J'ai ma petite balance à côté, j'ai eu droit à 20 kg, donc je pesais à chaque fois pour mettre dedans et j'ai beaucoup de trucs à faire rentrer. Bon, donc du coup ça y est, je vous ai montré un petit peu toutes les étapes en accéléré tout ça, et là bah, on est à la dernière nuit à Paris, dernière nuit dans mon lit avant le grand départ demain. Donc on décolle à 11h15, on doit être à l'aéroport vers 8h, donc là je vais essayer d'aller dormir un peu, c'est pas gagné, et bah, on se retrouve à l'aéroport. Thank you.
Donc voilà, vous avez tout vu, tout ce que j'ai eu à faire. Donc évidemment, si vous voulez une petite vidéo sur toutes les étapes avant, toutes la paperasse qu'il y a eu à faire, donc ça c'était pas dans la vidéo, tout ce qui est le visa, etc. Et évidemment j'ai coupé une partie, donc quand ma famille est partie, c'était assez triste. Mais je pourrais aussi faire une vidéo sur ça, sur se retrouver toute seule d'un coup. Moi j'ai beaucoup de chance, je me suis déjà fait beaucoup d'amis, tout ça. Ça fait un mois que je suis à Carole. Et voilà, hâte de vous raconter mes autres aventures. Bye!